allez bien? Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire la présentation complète de deux nouveaux livres de coloriage dans la collection Hachette Jeunesse Disney. Il va s'agir de deux livres dans la collection des coloriages magiques mystères. Alors, tout d'abord, il va y avoir le Princesse Disney, mais également le Spider-Man Marvel. Ces deux titres sortiront le 12 juillet au prix de 6,95 € l'unité. Vous pourrez très facilement les retrouver sur les sites de revente habituels. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en barre d'information pour pouvoir les retrouver beaucoup plus facilement. Mais vous pouvez également les retrouver directement en boutique au rayon Jeunesse Coloriage Disney. Pour chacun de ces livres, vous allez avoir 23 coloriages mystères à mettre en couleur. C'est Sophie Marie, l'illustratrice, qui réalise les illustrations de ces titres. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc voilà, ça reste du coloriage mystère classique. Alors là, on est vraiment sur une collection jeunesse, donc c'est beaucoup plus simpliste, hein, c'est beaucoup moins détaillé que dans les collections adultes, comme peuvent le faire Hachette Heroes. Voilà, mais entre deux gros coloriages adultes, ça peut être sympa de faire des petits coloriages mystères relativement simples afin de décompresser et afin de se libérer l'esprit vraiment et de profiter pleinement de son coloriage. Alors ici, vous avez un livre classique. Et dans celui-ci, avec Spider-Man, vous allez avoir un trompe-l'œil héros versus vilain. Donc, je ne connais pas trop l'univers de Marvel ni de Spider-Man, donc je ne pourrais pas vous dire quel personnage il s'agit. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous avez des personnages qui apparaissent clairement sur les illustrations, mais ce ne sera pas ces personnages qu'il faudra mettre en couleur, puisque lorsque vous allez appliquer la couleur grâce au code de couleur qui se trouve en bas de page, eh bien, un autre personnage va être révélé. Au niveau de la qualité des illustrations, c'est très 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 bien imprimé dans les deux titres. Le Spider-Man est beaucoup plus clair au niveau du mystère. C'est parce qu'ils ont joué sur l'effet trompe-l'œil qui accentue un petit peu avec ses gros traits plus foncés. Et en termes d'illustration dans le Princesse, là c'est pareil, les chiffres et les traits sont bien visibles, c'est bien net. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces deux nouveaux titres jeunesse qui sortiront le 12 juillet dans la collection Coloriage Magique Mystère. Je vais vous laisser maintenant avec ce qui vous importe le plus, c'est-à-dire le contenu intégral des solutions de ces deux ouvrages. Ce fut un réel plaisir d'avoir partagé ce moment-là avec vous et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.